Shana Kress, enceinte de son premier enfant, plusieurs indices sèment le doute. Avec Jonathan Mathijas, il se confie. Shana Kress et Jonathan en couple depuis quelques mois et habitent déjà ensemble dans le sud de la France. Le couple compte avoir des enfants et Shana a déjà fait pas mal de tests de grossesse. Mais voilà, la Marseillaise a plein de symptômes de femme enceinte, comme fatigue, vertige, des envies et un cycle déréglé. Le couple se confie et Jonathan a déjà appelé la gynéco pour un rendez-vous. Alors, est-elle enceinte? Je vous laisse avec les confidences du duo. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mon amour, qu'est-ce que t'es en train de faire là? J'appelle gynéco. Ça fait deux, mon amour. Pourquoi t'as pas le gynéco, mon amour? Mais parce que t'es déréglé, c'est trop, ça arrive trop souvent. Il faut qu'on sache. Et en plus, t'as des envies chelou, tu manges du fromage. Qui mange du fromage à 10h30? Je sais pas, j'ai faim. Ça n'existe pas, ça. Y'a que les femmes qui peuvent être enceintes. Mon amour! Il faut qu'on sache. Mon amour! Tu connais cette phase ou pas? Pas de ouf. Tu vois, toi-même c'est Rocky Balboa. Vas-y. Comment je sais qu'Alicia, elle est potentiellement enceinte? Mais arrête de dire ça! Non mais, qui rentre à la maison à 10h30 du matin et bouffe des olives? Qui non, fait... C'est des champignons. Ah, des champignons. Pire, pardon! Qui fait ça? C'est-à-dire qu'elle a des envies, des pulsions qui la prennent comme ça, il faut vite qu'elle mange un truc. Elle rentre, elle se dit, c'est les champignons. Allez, hop, elle va le frigo. Ma question. Les gars, à part être enceinte, écoute, faut être dérangé. Écoute ma question, mais est-ce qu'au moins ça te ferait plaisir en disant ça? Que t'es enceinte? Oui. Ah, mon amour! Quoi? Quoi tu... Quoi? Qui m'a dit ça quand tu... Genre tu me taises, genre... Quoi? Là, je mange des champignons. Il y a un marmot? Je sais pas, peut-être. C'est pas mon amour, j'en sais rien. De vrai? On va faire le test. Quoi? Ce qui à la base devait être une blague, c'est avéré en fait un doute. Non mais je suis déréglée de ouf depuis un moment, tu le sais. Ouais, c'est vrai. Faut que j'aille chez le gynéco. Elle a plus ses ragnagna et elle a des envies de ouf. Et elle a eu une douleur dans cette zone-là. En fait, je t'explique, une femme. Non mais je t'explique, mon amour. Une femme. Des fois, elle a tellement envie d'avoir un enfant qu'elle a tous les symptômes, sauf qu'elle ne l'est pas. Ah. Tu peux ne plus avoir tes règles, tu peux avoir des envies, tu peux avoir mal au sein, tu peux... Ah. Mais c'est parce que vraiment, dans ta tête, t'es tellement prête, tu te persuades que t'es enceinte. Ah ouais? Non, je te jure, c'est vrai, c'est le gynéco qui m'a expliqué ça, le docteur. Et en fait, ça peut s'avérer que tu as tous les symptômes, mais tu ne l'es pas. Ou alors, tu peux l'être et tu n'es pas au courant aussi. Donc, je sais pas. Et moi, ça fait tellement de fois où je suis déréglée, en fait. Je les ai pas correctement, que bah, je pose tout le temps des questions. Je pose une question, je veux voir s'il y a un truc qui va. Arrête! J'aimerais trop en fait.